Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto du mini-album bébé-fille avec la collection des ateliers de Karine. Donc pour cette deuxième partie, on va démarrer par la couverture. Donc je vous ai mis les dimensions directement sur les cartonnettes. Enfin, c'est du carton 2 mm gris que j'ai utilisé. Donc on a 17,5 cm, donc j'ai rajouté 1 demi-cm et 12,5 cm. Voilà, toutes les mesures, je vous les ai également remis sur l'écran. Pour habiller la couverture, j'ai décidé d'utiliser du simili-cuir que j'avais acheté sur un site ukrainien pendant le confinement de mars. Voilà, je trouvais que le coloris du simili-cuir collait parfaitement bien avec la collection. Voilà, et puis c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup travailler. Voilà, au niveau de la colle, c'est de la colle que j'ai achetée sur le site F Déco. Donc c'est de la colle reliure professionnelle. Donc au début, je l'ai achetée vraiment en flacon. Et en fait, ça s'épuisait assez vite parce que j'ai beaucoup tendance à faire des mini-albums. Donc ça part assez vite. Et voilà, il n'y en avait plus. Donc là, je me suis dit, allez, je vais me rabattre sur le pot. Ça va me faire vraiment... Ça va me tenir un peu plus dans la durée. Effectivement, je ne regrette pas du tout. Et j'ai également pris un pinceau. C'est un pinceau en silicone, en fait, que j'ai également acheté sur le site. Parce que voilà, il m'avait été conseillé d'utiliser ce type de pinceau pour cette colle-ci. Et c'est vraiment nickel, en fait. Ça s'étale bien. Voilà, du coup, il n'y a pas le problème avec les poils qui peuvent rester, les poils du pinceau au niveau des cartons. Donc voilà, là c'était très pratique à étaler. Donc là, surtout pour cette étape, il faut pas hésiter à mettre de la colle. Il faut vraiment que tout tienne très bien. Donc voilà, il n'y en aura jamais trop. Bon, bien sûr, il faut pas non plus vider le pot, mais il faut surtout pas en mettre pas assez. Il faut vraiment que tout tienne. Donc là, je me suis également aidée de la règle de manière à ce que mes cartons soient collés droits. Et entre chaque carton, j'ai laissé 0,5 cm. Donc voilà, il y a bien plus que l'épaisseur du carton, mais c'est important quand même que ça puisse bien s'ouvrir et se fermer par derrière. Donc là, je vais ensuite former mes plis, en fait, au niveau des quatre côtés de la couverture. Donc avec le simili, voilà, c'est quand même très facile. Voilà, c'est une matière assez très souple, en fait, qui se manipule facilement. Et alors là, vous verrez sûrement, alors il y en a certains où c'est coupé, mais du coup, pour les angles, en fait, je suis venue plier les deux coins, enfin les deux bords. Avec un ciseau, je viens simplement couper le surplus de manière à former mes coins. Et avec ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Vous serez sûr que vos coins seront vraiment pointus et surtout qu'on ne verra pas le carton. Donc voilà, c'est une méthode qui marche très bien. Donc là, je viens vraiment en coller à la fois pardon, la bordure du carton et également le simili, de manière à ce que tout tienne correctement. Parce que bon, c'est pas comme le papier, il faut quand même bien appuyer en même temps, parce que sinon il a tendance un petit peu à se décoller, mais là, voilà, vous voyez, il tient vraiment nickel. Et donc bien passer également avec le plioir au niveau des jonctions, de manière à ce que le tissu puisse se travailler, même si c'est pas du papier et que du coup voilà, c'est quand même plus costaud, quoi. Donc là, je fais la même étape sur mes quatre côtés. Donc là, vous voyez, je lésine pas sur la colle, j'en mets vraiment ce qu'il faut, même un peu plus. Voilà, donc là, ça fait vraiment... Vous verrez, ça fera vraiment des beaux angles en fait. Donc voilà, toujours bien travailler les plis avec le plioir. Donc là, je recoupe un petit peu parce que finalement, il était un peu trop carré. Voilà. Donc voilà, au niveau de la colle. Hop. Donc voilà, c'est une étape finalement. C'est l'étape que j'aime le moins pour tout vous dire, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un couac au moment de la couverture, parce que je fais d'abord l'album et ensuite je fais la couverture, de manière à pas me tromper sur l'épaisseur
de la tranche. Parce que voilà, ça m'est déjà arrivé de prévoir à l'avance en me disant, bon bah voilà, je veux faire un mini-album qui soit pas trop épais, j'aimerais une tranche qui fasse maximum 3,5 cm. Et puis finalement, en faisant le mini, j'avais des idées qui me venaient, je voulais rajouter des rabats, des petites choses, et puis finalement, au lieu du 3,5, on était plus à 4. Et puis voilà, après, j'ai été obligée de tout refaire. Donc c'est quelque chose que je ne fais plus. Je fais d'abord l'album et ensuite je fais la couverture. Sauf si je suis sûre de ma structure avant. Alors pour recouvrir la charnière intérieure de l'album, j'ai hésité en fait à reprendre du simili ou pas. Et finalement, j'ai décidé de prendre du papier. Donc c'était une chute qui me restait de la collection des ateliers de Karine. Donc ce papier-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ça tranche bien avec le beige du simili-cuir. Donc là, j'ai essayé de bien le centrer. Je l'ai coupé, alors je crois, 0, peut-être 0,5 cm. Enfin, j'ai laissé 2 mm de chaque côté, en fait. De manière à pouvoir un peu voir la bordure du simili. Ça fait vraiment un petit effet de contraste. Donc là, c'est vraiment voulu que je ne l'ai pas collé bord à bord. Et donc là, on fait bien étape par étape. C'est important. Il faut également bien penser à mettre de la colle dans les rainures. Et comme ça, voilà, on est sûr que le tout soit bien fixé. Et bien travailler le papier également avec le plioir au fur et à mesure qu'on le dispose au centre de l'album. Donc tout ça, c'est pour être sûr que tout soit bien fixé. Donc on repasse un petit peu, il ne faut pas trop appuyer non plus. On regarde que ça s'ouvre bien, que ça se ferme bien. Là, je me suis rendu compte que il manquait un petit coup de colle sur le simili, donc j'en rajoute également. Voilà, pour être sûr que tout soit bien maintenu, sans se casser évidemment. Alors pour l'habillage intérieur, j'ai décidé de partir sur du cardstock beige, en fait, que j'avais acheté avec cette collection de papier. Donc là, pareil, je l'ai coupé à 0,5 cm de chaque côté pour laisser une petite bordure. Et donc maintenant, on va passer à l'habillage des couvertures. Donc sur la partie de droite, on aura l'accordéon qu'on a fait précédemment, donc pendant la première partie du tuto. Donc là, on vérifie bien que tout soit bien centré, étant donné qu'on ne voyait pas trop bien la jonction. Je replie un petit peu l'album qui me permettait de visualiser vraiment le pli pour voir en fait où je me situais quand je positionnais l'accordéon sur la couverture intérieure. Donc là, voilà, je m'assure à ce que tout soit bien droit. J'hésite pas non plus sur la colle. Parce que voilà, finalement, tout l'album ne va tenir que via cette page-là. Donc il faut vraiment qu'elle soit très très bien collée et qu'elle soit bien fixée en fait. Et surtout bien droite, sinon l'accordéon il sera un petit peu bancal. Et ce serait dommage. Donc voilà, on a la structure qui est faite. Donc vous voyez au niveau de la couverture et des dimensions, tout rentre nickel. On va ensuite passer à l'habillage de la couverture de droite. Donc là, je me suis fait un petit gabarit. On va repartir sur un pop-up. Et voilà, quand il s'agit de pop-up, j'ai toujours besoin d'un petit brouillon, enfin un petit gabarit qui va m'aider à savoir ce que je vais faire. Donc sur cette couverture, je voulais absolument avoir en fait quelque chose qui recense les 12 mois du bébé. Donc au début, j'étais partie sur faire des petits cadres, mais étant donné que l'album fait que 12 par 17, ça aurait fait des cadres vraiment minuscules. Ou alors il aurait fallu que je rajoute un rabat. Mais étant donné qu'il est quand même bien chargé avec l'accordéon à droite, je voulais pas trop trop l'alourdir. Donc je me suis dit pourquoi pas partir sur un petit système de pop-up où on aurait justement 12 petits carrés qui permettraient de coller 12 photos du bébé qui correspondraient aux 12 premiers mois. Donc là aussi, voilà, je me suis pas mal tâtonnée. Au début, je voulais partir que sur un pop-up, mais finalement, quand on le repliait, ça faisait quelque chose de trop petit. Et voilà, donc je suis vraiment partie sur faire un double pop-up. Donc là, on va en faire un ensemble. Donc au niveau des dimensions du papier, donc ça, je vous l'ai mis également en barre en sous-titre. Et donc là, ce qu'il faut vraiment, donc là où il faut faire attention, c'est quand vous allez faire votre trait de cutter, bon déjà ne pas trembler pour que le trait soit bien droit et bien net,
Et ensuite, voilà, vous vous aidez soit du tapis d'écrou pour celles qui en ont, sinon il faut bien marquer à l'aide d'un critérium vos petits repères de manière à ce que tout soit bien droit. Et ensuite, bien marquer vos lignes de pli. Donc ensuite, vous marquez vos plis avec le plioir pour être sûr que tout soit bien fait. Il faut que tout soit bien centré également à chaque fois que vous faites un pli. Et donc vous travaillez comme ça toutes vos lignes de pli. Et voilà, il vous reste ensuite la dernière à faire au niveau du centre en fait, du pop-up. Donc pour ça, j'ai pris un papier imprimé. On pourrait très bien le faire dans un cardstock blanc, comme sur mon petit croquis du haut. Et ensuite venir recouvrir un à un les différents carrés et les différentes bordures. Mais voilà, comme dit, je voulais pas ajouter trop d'épaisseur, donc je me suis dit, je vais quand même partir sur un papier imprimé un peu basique. Comme ça, voilà, on n'aura pas à redécouper par après, la déco sera déjà toute faite, donc c'était plus par facilité. Donc là, hop, vous faites exactement pareil de l'autre côté, donc ça vous fait bien deux pop-up différents. Et vont pouvoir se coller l'un à côté de l'autre, en fait. Et une fois pliés, ils mesurent. De mémoire. En fait, les deux vont faire 8 cm. Donc chacun, non, c'est. Ou alors c'est 6, je sais plus. Enfin, en tout cas, tout est indiqué. Mais comme ça laisse également une petite bordure de manière à mater en fait le pop-up et à casser le motif du papier imprimé floral en fait qui se trouve à l'avant. Donc là, on les colle vraiment bord à bord, les deux pop-up. Donc là, voilà, si vous avez utilisé du papier à motif comme moi, il faut vérifier que les deux motifs correspondent à peu près. Bon, sinon, c'est pas bien grave, hein. Avec de la déco, on peut toujours trouver des solutions. Et donc là, vient la partie où il faut qu'on ferme en fait toute la structure, sinon bah, elle reste ouverte et c'est pas top. Donc au niveau des aimants, vous verrez ensuite, je les ai mis vraiment tout en bas, en fait. Et là, je viens également les mettre en haut et on va venir ensuite les masquer à l'aide d'une carte de la collection. Donc là, je colle uniquement la partie de gauche parce que si on colle les deux, forcément, bah, ça ne va pas s'ouvrir. Donc pour éviter qu'il y ait de la colle qui déborde sur le côté droit, je viens mettre une feuille de papier. Pour être sûr qu'il n'y ait que le côté gauche qui soit collé par la carte. Donc la petite carte baby qui est en bas, j'ai décidé de la mater sur du papier plus pâle, de manière à ce que ça puisse ressortir. Voilà. Et donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, il nous restera également à masquer en fait l'aimant qui est sur la droite. Bah, sinon, ça ne fait pas très joli. Donc vous verrez. Une petite astuce, j'ai découpé dans le papier avec les petits pois jaunes. En fait, j'ai détouré un petit pois que je suis venue coller par-dessus l'aimant. Donc en même temps, ça faisait un rappel du papier et ça choquait pas. Donc maintenant, on va passer à la présentation de l'album. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon album Bébé terminé. Alors, je vais vous faire une rapide présentation du matériel utilisé. Donc il s'agit de la collection Hey Baby des ateliers de Karine. Voilà, j'ai vraiment craqué sur cette collection que je trouvais tout douce et très neutre, c'est-à-dire qu'on peut à la fois la travailler pour des garçons et pour des filles. Alors moi personnellement, comme je l'ai fait en version fille, j'ai ajouté des petites touches de rose. Mais avec un garçon, on pourrait très bien imaginer ajouter du bleu nuit ou voilà. Enfin, vraiment, c'est des papiers qui se marient avec tout. Voilà, donc là, c'est des petites cartes qui me restent. J'avais pris ce papier en deux exemplaires pour pas avoir à choisir parce que voilà, le ton gris aidait bien également à casser un peu certains papiers. Donc là, c'est ce qui me reste. J'avais également pris hop, ce papier-là en double exemplaire. Pour pouvoir justement découper certains mots. Donc vous le verrez au travers de l'album. Et ce papier-là était vraiment super beau aussi. Donc voilà, le choix était difficile. Donc comme vous le voyez, j'ai pratiquement tout utilisé.
au niveau du bloc. Mais c'est un album qui est assez dodu parce qu'il fait 12 pages. Parce que je voulais vraiment avoir une page pour chaque mois du bébé. Voilà. Donc là, il me reste une petite chute du papier transparent. J'avais également pris des papiers unis, en fait, du cardstock pour compléter avec la collection. La planche de stickers, finalement, je ne l'ai presque pas utilisée, à part quelques petits mots et les bandes. Donc voilà, je pourrais m'en resservir plus tard pour refaire des cartes. Ou pourquoi pas un autre mini-mini. Tout est possible. Donc voici pour les papiers que j'ai utilisés. Et ensuite, j'ai utilisé également les dies paniers. Je les trouvais vraiment trop choupinou. Et puis en même temps, c'est un peu passe-partout. Donc ça convient très bien pour un album bébé. Mais pourquoi pas pour des albums printaniers avec des petits pots de fleurs à l'intérieur. Enfin voilà. J'aimais vraiment bien ces petits paniers. Et la planche de tampon, girl. Donc là, on y retrouve visage d'ange, petit cœur, voilà, il y a une petite girafe, des petites fleurs que j'ai beaucoup utilisées également sur tout le long de l'album. Et je m'étais fait également tout un petit pack, en fait. Alors ça, c'était une boîte de fromage, mais c'est assez pratique, justement, pour regrouper tous les petits embellissements. Donc là, c'est ce qui me reste, en fait. Ah oui, j'avais également pris les die cuts, donc ils sont en vrac dans la boîte. J'avais tamponné des petites étiquettes d'une planche de Graffiti Girl sur justement dans des tons marron, noir et rose. Donc ça, c'est des restes de die cut. Ensuite, des petites esperluettes également. Donc j'ai pris ces deux tailles. Donc là, c'est de florilège. Voilà, également des petites feuilles, mais je ne les ai pas trop utilisées, celles-là. Encore un petit appareil photo, des petites accolades. Enfin voilà, je me suis fait mon petit mix. Et je m'étais fait donc pas mal de tamponnages que j'ai détruits par la suite. Donc au niveau de cet album, donc, vous voyez, il est quand même assez dodu. Il y a pas mal de rabats. La couverture, je l'ai... Elle est faite avec du simili-cuir que j'avais acheté sur un site ukrainien. Donc en fait, c'est des rouleaux comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une matière avec laquelle j'aime bien travailler. Et cette colorie se mariait parfaitement bien avec la collection de papier. Alors la tranche, il me semble qu'elle doit mesurer pas loin de 5 cm. Ouais, c'est ça, 5 cm elle fait. Donc voilà, l'album est quand même dodu, mais bon, pour avoir 12 pages, il faut quand même y aller. Et il y a pas mal de pop-up, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des petits rabats un peu que vous voyez. C'est un album qui est tout en accordéon, donc vous verrez dans les tutos, voilà, j'explique comment est-ce qu'il est monté, ainsi que le fonctionnement de certaines pages. Et donc, pour cacher le ruban au verso, j'ai simplement... utiliser une découpe ronde en fait dans une des cartes de la collection. Donc ça voilà. Donc au niveau de la couverture, donc j'ai beaucoup aimé ce petit lapinou là que j'avais depuis au moins 4 ans qui traînait dans mes tiroirs. Donc là c'était l'occasion de le sortir. J'ai noué un petit pompon rose et je l'ai noué directement dans une bande de papier qui m'a permis de mater le titre de l'album. Pour être sûr que tout se tienne bien et puis en même temps ça pendouille, on peut un peu le bouger, voilà. Je voulais pas qu'il soit fixé en fait directement sur l'album. Donc ça c'est une chute donc de papier de la collection. Là je me suis beaucoup amusée avec cette feuille avec tous les polaroïdes en fait. Vous verrez au sein de l'album. Donc je les ai beaucoup détourés et je les ai vraiment utilisés d'une autre manière que telle quelle au niveau des cartes. Donc là, c'est toutes les petites fleurs donc de la planche ici que j'ai colorisées en rose. Donc, ils sont un petit peu partout. Et ces petites découpes-là, c'est les chutes de cette feuille-là. Tout simplement, voilà. Au niveau des tampons, je ne vous ai pas précisé ce que j'avais utilisé. Alors, j'ai utilisé un tampon avec des petites taches.
Je ne sais plus d'où il vient en fait. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que j'ai même perdu l'emballage. Donc il ne tient plus très bien. Mais ce n'est pas bien grave parce que je l'utilise directement à la main comme c'est plus pour faire du travail de fond. Donc celui-là, je l'ai utilisé avec deux encres Memento. Parce qu'au niveau des distress, je n'avais pas forcément les coloris qui convenaient. Donc il y a la Memento Desert Sand et la London Fog, brouillard londonien. Voilà. Ensuite, j'ai également utilisé une encre rose. Alors, je ne l'ai plus ici. C'est une boîte en fait Aladdin. Parce que pareil, le rose que j'avais, il était trop peps à mon goût. Donc, voilà, c'était cette petite rose là avec laquelle je suis venue faire des taches un petit peu partout. Et j'ai rajouté quelques petites étoiles en trio comme ça que j'ai positionné sur ma plaque. Avec cette fois de l'encre noire. Voilà. Et pour les emplacements photos, alors je ne les ai peut-être pas tous faits, j'ai utilisé cette petite roulette de Toga. J'aime vraiment, voilà, ça change en fait. Et puis donc là, il y a pas mal de choses. Et j'ai utilisé le clic-clac avec l'appareil photo. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des tamponnages. Donc maintenant, passons à l'intérieur du mini. Donc ici, on y retrouve vraiment le côté accordéon, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pour habiller la page de gauche, je voulais vraiment faire en fait un petit Polaroid pour recenser 12 photos qui correspondent donc aux 12 premiers mois de l'enfant. Alors j'ai longtemps hésité. Au début, je voulais faire 12 petits cadres, mais bon, je me suis dit que si je rajoutais un rabat, ça ferait peut-être trop chargé. Et puis bon, au niveau des dimensions, on est sur du 17,5 par du 12. Donc voilà, c'était pas très grand pour faire 12 cadres sur la même feuille, on aurait eu des cadres tout petits. Donc j'ai opté pour un pop-up qui s'ouvre de cette manière. Alors, il a dû se coller, voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc comme ça, donc moi j'avais imaginé coller une photo du mois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme ça nous fait les 12 emplacements photos. Et donc tout le reste, bah, laisser tel quel, quoi. Après, pourquoi pas rajouter des toutes petites décos légères sur les côtés, mais je trouve que le papier se suffit à lui-même. Ici, donc j'ai mis une petite carte pour masquer les aimants. Et pour masquer l'aimant du haut, j'ai simplement détouré dans une chute de ce papier-là une petite bulle jaune. Voilà. Comme ça choque pas. Et la carte baby, bah, ça ressort vraiment sur le papier imprimé dans les tons gris du dessous. Donc voilà comment se présente cette première partie. Là, du fait du système de l'accordéon, je me suis retrouvée avec en réalité 13 pages et j'en voulais que 12. Donc j'ai décidé de faire une page de présentation sur la première. Voilà. Donc là j'ai détouré un éléphant de la carte, un petit Polaroid, une étiquette de la collection. Donc là c'est le tampon petit cœur de la planche et un petit panier en craft. Alors au niveau de la première page, donc elle s'articule de cette manière. Donc voilà, clic-clac. Donc là on a trois emplacements photo. Donc cette page-là, je l'ai fait en tuto avec celle-ci qui est en pop-up. Donc celle-ci, elle s'ouvre de cette manière. Et donc, on a deux des cartes de la collection, donc quatre au total, qui se tournent comme ceci. Donc là, on a une petite poche pour y glisser un tag, et pourquoi pas d'autres petites photos. Et ici, une plus grande poche avec un emplacement pour quatre photos supplémentaires. Donc voici pour cette deuxième page. La page suivante, donc, elle est également faite en tuto, donc elle est plus simple, hein, c'est un petit pont sur laquelle j'ai collé trois emplacements photos. Voilà. Et on peut également y glisser des petites cartes ou des photos supplémentaires. Donc là, j'ai inséré cette carte-ci. Voilà.
De ce côté-ci, alors j'aimais bien ce système de rabat dans les chutes de papier. Donc il y a un rabat comme ça, un rabat comme ça. Donc ça nous fait quatre places photo. Pourquoi pas une petite photo supplémentaire ici. Au niveau de la décoration, donc c'est la petite renarde qui est très mignonne là de cette planche. Toujours un petit panier et un petit peu de rose pour contraster un peu avec les papiers neutres de la collection. Alors la page suivante, alors c'est un autre pop-up, mais pour le coup qui est plus simple que le précédent, mais qui fait toujours son petit effet. Donc là j'ai détouré, je me suis servi du Polaroid en tant que cadre. Donc là on peut facilement y glisser une photo par le dessus, comme ceci. Voilà. Donc good night. Donc pour rester dans l'esprit de la nuit, donc j'ai détouré le berceau d'une des cartes de la collection, je crois, avec le mot ta chambre, donc qui correspondait très bien. Gros dodo. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ces petites en bas des feuilles, des papiers de la collection. Il y a des petites bandes de papier avec plein de sentiments qui peuvent justement apporter un titre à chaque page. Et voilà, c'était vraiment super. Enfin, je les ai vraiment bien utilisés. Donc là, gros dodo, hop. Et donc, on déroule comme ça. Et là, on peut y mettre un tag. Sur la page de droite, donc j'ai simplement fait une poche. J'ai détouré les lettres donc, de la feuille, d'une des feuilles des ateliers de Karine pour construire le mot amour. Avec un petit chien rose de la collection et puis un petit cadre pour embellir davantage en fait. Et donc dans la poche, alors ça c'est ce qui était dans un des Polaroids que j'ai détouré et que j'ai fait en forme de tag. Et donc il y a également, donc là il faut que je rajoute le petit tampon clic-clac, mais quatre emplacements photos. Alors maintenant on va prendre l'accordéon dans l'autre sens. Hop. Donc ici, donc là, j'ai vraiment utilisé à fond les Polaroids. Donc là, ce sera pour une photo plutôt carrée. Donc ça s'ouvre comme ceci, comme ceci. Donc là, j'ai mis une petite carte que j'aimais beaucoup. Donc comme ça, voilà, on a plein de possibilités pour les photos sur cette page. Et donc là, c'est un die-cut de la collection que j'ai maté sur du papier rose pour le faire ressortir avec un petit chapeau de la planche de tampon. Sur la page suivante, donc c'est un mini accordéon. Donc il peut contenir 4 places photo et pourquoi pas en coller une cinquième ici. Donc le tout est maintenu par des aimants, je ne vous l'ai pas dit, il y a juste là où j'ai mis une flipette, mais sinon pratiquement tout l'album est construit et maintenu avec des aimants. Donc là c'est le tampon Jolie Petite Princesse qui est également sur la planche des ateliers de Karine. Là c'est un petit doudou qui était sur une des cartes que j'ai détourées, un petit panier craft, voilà. Alors les autres pages se présentent comme ceci, donc ton univers. Donc j'aimais beaucoup ce die-cut. Et ici, donc on a trois places photo. Et donc là, comme pour la couverture, en fait, j'ai détouré des petits feuillages de cette feuille-ci. Alors ici arrive le troisième pop-up de l'album, enfin plutôt le quatrième avec la page intérieure. Donc j'ai découpé la lettre A pour amoureusement. Voilà, les lettres étaient vraiment superbement bien travaillées. Donc je voulais au moins en utiliser une dans l'album. Donc toujours mes petits tamponnages pour apporter de la texture. Et donc cette fois-ci, on a non pas des cartes, mais le mot bébé. Et quand on retourne, ça fait bébé girl. Alors il y a certaines lettres qui ont un petit peu de mal à tourner. Voilà. Voilà. Donc là, on se retrouve avec le mot bébé-fille. Et donc ici, on a également un emplacement pour trois photos.
Et enfin, les deux dernières pages. Donc ici, on a 2, 4, 5 photos qu'on peut mettre sur cette page. Donc là, j'ai masqué en fait mon élan à l'aide justement d'une bande autocollante. Donc ici, voilà, j'ai détouré le petit doudou qui était super adorable. Jamais sans mon doudou, donc c'était l'un des titres qui était en pied de page de certaines feuilles. Voilà pour celle-ci. Et pour la dernière page, j'aime bien finir par des enveloppes ou des poches parce que ça permet de glisser un peu tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans l'album. Donc là, j'ai utilisé le papier transparent qui était vraiment joli du kit. Une petite carte pour la déco, donc vraiment toute simple. Et pour comme système de fermeture, en fait, j'ai simplement collé une bandelette que j'ai collée juste aux extrémités, ce qui permet de glisser en fait la carte en dessous. Donc dans l'album, donc voilà, la personne pourra mettre des photos. Là, j'ai glissé en fait quelques cartes qui me restaient, donc ça peut également lui permettre de rajouter de la déco si elle le souhaite justement sur le premier pop-up avec les différents âges. Donc voilà pour la présentation de cet album. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait un tuto en deux parties. Donc il y a une première partie sur vraiment la structure accordéon des pages et sur la partie pop-up avec les cartes qui tournent, qui est assez longue. Et une deuxième partie qui va plus être sur la couverture. Bon, c'est très simple, mais je l'ai quand même montré. Et sur les pages intérieures, justement, avec le double pop-up qui s'ouvre pour accueillir les 12 photos des 12 premiers mois de l'enfant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine créa.